Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve sur FIFA 18. Donc, je l'ai eu aujourd'hui, le lendemain de sa sortie. Et donc, on s'en bat les couilles, hein. Mais bon, c'est comme ça. On va faire mon premier match en ligne. On va jouer en fut champion. Enfin, pas en fut champion, mais pour la qualification, fut champion. Et je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait clash d'équipe. J'ai fait 5 matchs en clash d'équipe. Donc, les 4 là. Celui-là, j'ai mis en légende. J'ai gagné 7-5. Celui-là, j'ai mis en champion. J'ai gagné 5-0. Celui-là champion également 4-2, celui-là en champion 5-1. Donc franchement j'ai fait des bons scores. Sinon bah on va être parti hein, du coup pour le match. Je vais d'abord vous montrer l'équipe. Donc voilà l'équipe les gars. Une petite hybride en fait, il y a deux joueurs français qui sont pas en Ligue 1, sinon tout le reste c'est de la Ligue 1. J'ai franchement une très belle équipe. Hein. Lopez à gauche, Roussillon, il est énorme. 86 de vitesse, 77 de physique, 72 de défense, 74 de dribble, 71 de passe. J'ai du mal. La charnière Marcelo Julien, c'est pas mal également, c'est solide. À droite du Sidibé qui est monstrueux. Au milieu on a Rabiot, très complet. Fekir énorme également. 5 matchs, 5 buts, 6 passes décisives. Pogba en prêt, il me reste 2 matchs. 5 matchs, 3 buts, 4 passes décisives. Et l'attaque, ça va être pas mal également. 5 matchs, 3 buts, 2 passes décisives pour Draxler. Moussa Sissoko, 5 matchs, 3 buts, 1 passe décisive. Et le pire, Alassane Pléa, il est monstrueux, il a 79, je pensais pas qu'il serait énorme comme ça, mais il est énorme. 5 matchs, 9 buts, 7 passes D. Alassane Pléa, il c'est un monstre. Zizou, en entraîneur évidemment, on ne change pas. Et donc on est parti tout de suite. J'espère qu'on va rester sur des victoires, hein. 8 victoires d'affilée là, on est pas mal. Je prends le maillot de Lyon là, le deuxième, je le trouve beau. Et donc on va voir l'équipe qu'il a. Il a une... ouais là, putain, il a déjà une belle équipe, hein. Navas, Godin, Piqué, Carvara à la droite, Coquet. En MOC, on a du coup. Asensio, mais pardon, je suis trop perturbé par son coup. Allez, Fekir. Alassane Pléa. Ouf. En temps normal, je l'aimais celle-là avec Pléa. Hein. Il est monstrueux. Allez, le scoop turn qui passe. On enroule de Draxler et c'est contré. Franchement, Marcelo et Julien, ça fait une bonne charnière. Hein. Je l'ai déjà testé bah, sur les. Sur les quelques matchs précédents, et franchement, ils sont énormes. Allez, Pogba, on va tenter le long shot. Oh, c'est magnifique. On va faire Mathieu Dicharo. Allez, c'est parti. Je sais pas pourquoi je fais ça. Pourquoi je fais ça? Pourquoi? Hop, le petit scoop turn qui passe. Encore Pogba, on va retenter. C'était pas loin. Allez, elle est à récupérer. Oh, c'est bien joué. Allez, là, Fekir. Bien sûr, tu finis, Fekir. On fait quoi? On fait Griezmann, allez. Oh là là. Défensivement, offensivement aussi, hein. Je suis un monstre, c'est tout. Tu trouves pas meilleur que moi sur le marché. Allez, Draxler. 5 étoiles du mauvais pied, tu peux tenter, c'est dommage. Donc, c'est la mi-temps, l'adversaire a tout simplement 0 tir. Et 1% de moins de possession, mais surtout les occasions, je domine net. Allez, Draxler. On fait le rainbow kick qui passe, c'est nickel. Après, on va enrouler. Et l'arrêt de son gardien, c'est vraiment dommage. Ça aurait fait un très beau but kill hein, pour débuter. Regardez, regardez cette défense. Marcelo, Julien, il n'y a rien qui passe, je vous jure. Et l'attaque, elle est pas mal non plus avec Fekir, l'enroulé juste à côté. Allez, Fekir. Frappe tendue, nickel, 3-0. Allez, Fekir. Fekir, il l'a toujours, Fekir. Il est énorme comme en vrai. Allez, Fekir, côté opposé. Ouh, juste à côté. Bonne défense encore de Marcelo. C'est abusé. Allez, on la laisse passer, c'est bien joué, Draxler. On fait ça, on enroule. Et ça fera un corner, 73e, un quatrième j'aimerais bien quand même, parce que 3 c'est un chiffre impair et tout. Voilà les gars, c'est la fin de ce match au niveau domination, on voit très bien c'est qui domine. 14 tirs à 2, 8 tirs cadrés à 1, 52% de possession, voilà 3-0, c'est entièrement mérité. Pas mal de crédit, pas mal de bons joueurs, pas mal de bonnes équipes, et que des victoires. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo sur FIFA 18 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher le gros like qui fait plaisir. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur FUT 18. Ciao tout le monde.